Sur les questions écologiques, je m'appuierai sur trois idées. La première idée, c'est l'énergie. Ça, tout le monde pense écologie, protection de la planète, énergie. Au Havre, on a le projet de centrale éolienne, on a le travail et l'évolution sur la centrale thermique et puis sur la raffinerie à travailler. Ensuite, il y a la question des matériaux dans l'habitat, avec une construction d'habitat zéro énergie, de manière à ce que, y compris, ça permette aux gens les plus pauvres de vivre dans de bonnes conditions. Et puis aussi la récupération des matières premières de demain. Moi, je considère qu'elles sont autour de nous et il suffit de déconstruire. Il y a de gros projets, des constructions automobiles, des constructions navales dans notre agglomération. Mais voilà, travailler à la déconstruction et à la valorisation de matières. Il y a des usines à faire pour ce domaine. Et puis enfin, nourrir tout le monde. Nourrir tout le monde, c'est un défi. Mais nourrir tout le monde en préservant la terre, c'est un devoir. Et donc on devra travailler à ça, à ces nouvelles pratiques d'agriculture, à ces nouvelles pratiques de maraîchage, à cette économie de proximité. Et là aussi, l'État devra accompagner, devra dynamiser cette évolution.